Généralement, Liverpool a toujours été le concurrent furieux de Manchester City pour le titre, à l'exception de la saison dernière. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. On va parler de Liverpool et de Manchester City. Est-ce que vous pensez que Liverpool peut concurrencer Manchester City cette saison? Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fort, on est parti. Alors les gars, Liverpool a souvent été le concurrent sérieux de Manchester City dans la course au titre, à l'exception de la saison passée où Liverpool a sérieusement bousculé Manchester City. Et du coup, on se pose, est-ce que Liverpool peut reconcurrencer City? Moi, ça me paraît très compliqué, les amis. Pourquoi ça me paraît très compliqué? Parce que Liverpool a perdu beaucoup de joueurs. Ils ont perdu d'abord Sadio Mané un an plus tôt. Ensuite, ce mercato, ils ont perdu Henderson, ils ont perdu Fabinho, ils ont perdu plein de cadres, les gars. Plein de cadres. Du coup, dans le milieu est en reconstruction. Sans compter Naby Keïta qui ont également perdu. Le milieu est en reconstruction. Ça sera très compliqué. Sans compter que l'attaque, ce n'est plus trop ça, ce n'est plus trop flamboyant, ce n'est plus trop la grande attaque de Liverpool qui déracinait tout en Premier League. Donc, toutes ces choses me font dire que Liverpool est encore tendre pour jouer le titre. Liverpool est encore tendre pour jouer le titre. Moi, je vois plutôt Arsenal essayer de concurrencer Manchester City. Parce que lorsque je vois City, certes, ils ont perdu Gundogan, De Bruyne, mais le mercato n'est pas encore terminé. C'est en train de vouloir recruter Jérémy Doku, jeu de Rennes autant pour moi. Très bon jeu de Rennes. Et ça veut également recruter Paqueta. Donc, Arsenal, de son côté, a recruté Declan Rice. Ils ont recruté Kai Havertz. Donc, Arsenal a un effectif vraiment étoffé pour aller bousculer Manchester City. Après, City, le rival de City, c'est City lui-même. C'est City lui-même. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Liverpool ou alors Arsenal peut concurrencer Manchester City? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et sinon, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.